Tu sens très bon, bébé. Et toi aussi, bébé. C'est vrai? Ah, désolé, chérie. Désolé. Ça va. Oh, chérie. Ouh. Tu sais, bébé, ton parfum sent bon, chérie. Oh, merci beaucoup. Je préférerais t'avoir à ceci. Oh, je pense qu'on en parlerait plus tard. D'accord. Oh, prends l'enfant, je vais m'échanger. C'est tout. Non, tu n'en as pas besoin, chérie. Tu es bien comme ça. Ah non, chérie, mon apparence n'est pas du tout bonne comme une femme mariée, s'il te plaît. T'inquiète, chérie. D'accord. Ah, je reviens. D'accord, bébé. Hein? Oh, maman. Bébé, comment tu me trouves? Bébé? Judy, où est-ce que tu es? J'ai fini. Judy? Bébé? Oh, arrête ça, où es-tu? Bébé? Judy? Mon amour, s'il te plaît. Judy! Tony! Oui, madame. Est-ce que la voiture est sortie? Quand ça, madame? Maintenant. Ah, maintenant? Non. Quand est-ce que tu l'avais vue? Un instant, je crois vers 17h30, quand il est revenu du boulot, madame. Bien, il est sûrement sorti sans que tu ne le saches. Quoi? Non, madame. J'étais bien là. Je ne suis pas allé où que ce soit, je veux dire, je n'ai pas quitté mon poste juste comme ça, madame. Vous savez très bien, madame. Es-tu sûre? Oui, madame, j'en suis sûre. T'es sûre que tu ne l'as pas vu sortir? J'en suis très sûre, madame, j'en suis très sûre. Y a-t-il un problème, madame? Mère, arrête de m'embarrasser avec cette histoire, ok? Bien, un jour, bientôt peut-être, tu auras tes propres enfants. Et je suis sûre que tu n'arrêteras pas de témoigner d'eux. Bien, on verra. Oh, un instant. Ok. Allô? Ma chérie, viens. Comment arriver là où tu es? N'oublie pas que je suis avec la mère du Larus. Ma chérie, j'ai un problème sérieux. Ok. Je serai là dès que je finis avec. Je ne retrouve pas Judy. Tu ne retrouves plus Judy? Ça veut dire quoi? Rita. Rita. As-tu fini ton appel? Oui. Désolée, je dois vous quitter. Quoi? Pourquoi? C'est une urgence. Et ça ne peut pas attendre? J'aurais su dit encore être là. Je suis désolée. Essaye de me comprendre. C'est bon. Tu peux me faire un pas? Excuse-moi, mère. Je suis à l'écoute. Rita vient de m'appeler. Alors? Elle insiste que je viens là où elle est. Donc c'est pour ça que tu... Oh, attends, laisse-moi finir. Elle ne retrouve plus Judy et le bébé. J'ai pas compris. Moi non plus. Ça, c'est pas bien. Tu dois aller la voir tout de suite. Ok, voici la clé de la voiture. Prends la voiture et conduis prudemment. Si là quelque chose, n'hésite pas d'appeler. Ok, viens un peu. Merci. Il y a des choses à elle. D'accord. Oh bah oui. Judy est partie avec les bébés, je ne les retrouve pas. Je ne sais quoi faire. Ça veut dire quoi? Ne m'entends-tu pas? Bien sûr, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ne fâche pas. Judy a disparu, oui. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Je veux dire que je ne retrouve pas mon mari ainsi que mon enfant. J'étais entrée dans la chambre juste pour m'échanger. Après quelques minutes, ils sont partis, ils ont disparu. Je ne sais quoi faire. Ça fait déjà combien de temps? Vers 19 h ici. Ça veut dire qu'il y a 2 heures passées. Oui. Je ne sais quoi faire. Est-ce que tu vas chercher dehors? J'ai posé la question à tout le monde. Même la sécurité ne sait pas où ils sont. Admettons qu'il était allé dehors acheter quelque chose. Pendant 2 heures, il ne peut même pas m'appeler. Son téléphone est ici. Parit, alors ça on les a kidnappés. Non, arrête, je ne sais quoi faire. Ils ne sont pas disparus. Tu étais un grand garçon et ton bébé est en sécurité avec lui. Alors ne faisons pas de conclusions. Je pense qu'on doit la laisser de la police. On doit leur dire ce qui s'est passé. Sais-tu comment cela s'est passé? Que je ne fasse alors rien? Ok. Tu peux y aller. Je dois le faire. Tu sais quoi? Essayons de contacter d'autres personnes. Aujourd'hui, cherchons avant d'aller à la police demain matin. Je ne peux pas attendre jusqu'au matin pour aller à la station de la police. Je ne peux pas, non. Mais tu dois être ici avant qu'il ne rentre. Je ne peux pas attendre, non. Non. Oui, avancez. Allez, bonne nuit. Tu as vraiment de la chance. Bonsoir, madame. Bonsoir, officier. Est-ce que nous pouvons vérifier votre voiture? Il n'y a rien dedans, officier. S'il vous plaît. Mon mari et mon enfant sont perdus. Je suis à leur recherche, s'il vous plaît. Ah bon? Depuis quand ça? Juste ce soir. Avant de conclure qu'ils sont portés disparus, j'aimerais que vous passiez demain. Déposez votre problème demain très tôt le matin à la police, d'accord? Oui, messieurs. D'accord, messieurs. Ok, merci. Merci, messieurs. Arrête ta voiture. Madame, s'il vous plaît, laisse-nous voir ton coffre. Officier, vous m'avez libéré, non? Qu'est-ce qui se passe encore? Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est quoi? Écoute, ma chérie, laisse-le ouvrir. Gagne un peu. Maintenant! Officier, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Il n'y a rien dans mon coffre, s'il vous plaît. Il n'y a rien dedans. Quoi? Officier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais rien à propos. C'est parce qu'on là-bas. Achetez-nous, viens. Achetez-nous, je suis à terre. Achetez-nous à terre. Taisez-vous. Je jure, je ne l'ai pas tuée. Je ne sais même pas qui est-elle. Comment sommes-nous arrivés ici? Rita, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi tu me regardes ainsi? Dans quel pétrin tu m'as foutu? Donc tu crois que je l'ai tué? Mais comment tu es arrivée? Je ne l'ai pas fait et tu le sais très bien. Mais elle était trouvée dans ton coffre. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle est arrivée dans mon coffre. Si au moins tu m'avais écouté, on aurait résolu le problème. Mais elle ne pouvait pas être dans mon coffre. On l'aurait retrouvée. Vois où nous en sommes maintenant. Je ne vais pas aller en prison. Je ne vais pas être complice. Seigneur, sauve-moi. Rita! Allez, recule! Est-ce que ton nom est Rita? Quelqu'un veut vous voir. Rita, libère-nous d'ici. Attendez, attendez. Maman, ma fille... Interdit de toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vite courir dès que je l'ai su. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait. Faire quoi? Allez, mets-toi. Comment est-ce qu'ils ont retrouvé les cadavres d'une femme dans le coffre de ta voiture? Je ne sais pas. Alors comment est-ce que tu es ici? Parlez-moi. Je ne sais pas, maman. Tu dis les bébés ont disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun rapport. Mon mari et mon enfant sont partis. J'étais en route pour chez ses parents lorsque la police m'avait arrêtée. Et en fouillant la voiture, ils ont trouvé le corps d'une femme dans mon coffre. J'étais sur le point de demander à propos de lui. Était-il sorti et qu'il n'est pas revenu ou quoi? J'étais en train de m'échanger pour aller dîner et à ma sortie, je ne les avais pas trouvés. Non. Je crois qu'il était allé quelque part. La sécurité ne l'a pas vu sortir. Personne ne l'a vu. Sa voiture et son téléphone sont toujours à la maison. D'accord, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'ont-ils arrêté? Je ne l'ai pas fait. Je sais, mais tu es ici. Je dois retrouver ma famille, maman. Mais la police ne va pas m'écouter parce que... Il est temps. Je suis ici. Il est temps. Hein? Officier. Maman, s'il te plaît, libère-nous d'ici, s'il te plaît. Seigneur. Oui, Parus est ici avec maman, s'il te plaît, va à la maison, va faire quelque chose pour nous. S'il te plaît, maman, va faire quelque chose à la maison. S'il te plaît, maman, je t'en prie, tu dois faire quelque chose pour nous, s'il te plaît. Viens, quand est-ce que nous sortons d'ici? Je ne sais pas. Hein? Ça veut dire quoi? Ma mère va faire tout pour que nous soyons libérés. J'espère que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Elle va faire un effort. Allô, bonjour. Ouais, je vais bien, merci. S'il te plaît, j'essaie de rejoindre Arit au téléphone, mais elle est injoignable. Puis-je lui parler sur ton téléphone? Pardon? Elle n'est pas revenue à la maison depuis hier nuit? Bien, s'il te plaît, si tu arrivais à la voir avant moi, dis-lui que j'ai appelé. Merci. Adogo, qu'est-ce qui s'est passé? Si je t'ai trouvé à la maison. C'est quoi encore cette histoire? Nous devons la faire sortir dès là. En fait, je sais. Mais d'abord, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, j'en sais rien. C'est que je sais que notre fille n'est pas une meurtrière. Et concernant le bébé? Le bébé a disparu. Quoi? Et Jude aussi. S'il te plaît, chérie, veux-tu appeler l'inspecteur de la police? Je te parlerai de tout un peu plus tard. Je ne veux pas qu'elle passe encore une minute de plus là-bas. Je t'en prie. Ah. Viens. Rita, Harry, toutes les deux, vous êtes en liberté provisoire. Dieu merci. Nous poursuivons les enquêtes. Vous n'avez pas le droit de quitter la ville. Si vous essayez de faire le contraire, vous serez arrêté. Et votre père ne sera pas en mesure de faire quoi que ce soit. Excusez-moi, officier. Inspectrice Amina. Excusez-moi, inspectrice. Mon mari et mon enfant sont perdus. J'ai essayé de dire aux gens qui sont ici pour m'apporter des lettres, mais personne ne veut m'écouter. J'ai entendu cela. Et? Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est que tu dois savoir que tu es la suspecte numéro 1 dans l'affaire d'un meurtre. Donc, peu importe ce que tu diras n'a pas vraiment de l'importance. Mais je suis innocente. On ne peut déclarer la disparition d'une personne qu'après 24 heures. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il n'y a rien qu'on puisse. Que me donne-moi de liberté, je serai sans mon enfant, sans nourriture. Est-ce que c'est normal? Le bébé est avec son père. Donc vous ne pensez pas qu'ils sont perdus? Madame, passe une belle journée. Rita, partons d'ici. Oh ma fille, tu vas bien? Non maman. Rita. Papa. Je suis désolé, je n'ai pas pu te sortir de là le plus tôt possible. Arrête. Bon après-midi, papa. Bon après-midi, maman. Henriette, tu vas bien? Sous le choc. Je sais. Je peux le voir. Je suis désolé. J'ai appris que c'était vraiment terrible. Hein? Terrible? Non, c'est plus que ça. Oh mon Dieu. Ce n'est pas grave, les filles. Allons à la maison comme ça, vous allez vous laver. D'accord, papa. D'accord, allons-y. Judy, s'il te plaît, reviens à la maison. Je t'en prie, s'il te plaît. Oh mon Dieu, s'il te plaît, je ne sais pas où se trouve mon bébé. Où es-tu? S'il te plaît, reviens à la maison, tu me manques. S'il te plaît. N'importe quel criminel ferait tout son possible pour sortir de ce genre de problème. Je ne suis pas une criminelle. En quoi puis-je t'aider? Qui est-elle? Es-tu venue jusqu'ici pour prouver que tu ne la connais pas? Non. Si on retrouve quelqu'un dans votre coffre de la voiture, ne serez-vous pas curieux de savoir qui est la personne? Peut-être que tu sais qui elle est et tu essaies de faire semblant que tu ne la connais pas. Je ne suis pas en train de faire ça. Je sais qu'elle est la fille d'une personne. Et à cause de ce qui s'est passé, vous ne voulez même pas m'écouter pour m'aider à retrouver mon mari et mon enfant? Nous ferons tout notre possible quand nous le pourrons. Ne savez-vous pas que ça me dérange aussi? Madame Rita, en quoi puis-je t'aider? J'ai envie de voir sa famille. C'est impossible. Rien que ça. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour. Le patron veut vous voir. D'accord, j'arrive. J'attends. Je vous ai déjà dit pourquoi est-ce que je suis ici. Inspectrice, je pense que je dois vous laisser travailler. Ok? Bonne journée à vous. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Dites-moi, qui est là? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Ah, s'il vous plaît, monsieur, j'aimerais me rassurer si Maureen Uchendu vivait ici. Et que veux-tu? Ah, j'aimerais parler à sa famille. Mon nom est Rita Chukwudi. Toi? Tu as tué ma femme? Ah, non, monsieur, je ne la connais même pas. Je ne savais même pas que je la connaissais. J'avais juste vu sur mes photos de mariage. Ce bâtard? Tu es marié à ce bâtard? Monsieur... Vous connaissez mon mari? Tous les deux seront arrêtés pour ceci. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Monsieur, je suis ici pour des bonnes réponses. Les réponses dont je sais que vous en avez. S'il vous plaît, est-ce que pouvez-vous vous calmer et me dire qui êtes-vous? Comment est-ce que votre femme est arrivée dans ma voiture? Petite rectification. Ma défunte femme. Maintenant, allez-vous-en d'ici. Monsieur, s'il vous plaît, vous débrouillez. Sortez de ma maison avant que je l'appelle la police. Aidez-moi. Allez-vous-en. Je vous en prie, s'il vous plaît, monsieur. Non, vous allez où comme ça, madame? Ah. Ça veut dire quoi, ça? Il faut que je te pose cette question, madame. Oh. Tu vis dans la maison des gens, tu ne parles même pas et tu fais directement entrer. Je viens ici de temps en temps, je suis la belle fille du propriétaire de la maison. Vous? Oui. Ici plusieurs fois. Voir qui? Le propriétaire d'ici. C'est depuis longtemps que je suis devant cette maison et je ne vous ai jamais vu. Ça fait déjà plusieurs années que je suis ici, madame. De quelle bêtise parles-tu? J'étais ici il y a de cela 3 jours. Alors de quoi parles-tu? Écoutez, madame, s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. S'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Madame, vous allez où comme ça? Madame, s'il vous plaît, partez. Je ne veux pas de problème. S'il te plaît, tu dois vraiment me comprendre. Laisse-moi entrer, je t'en prie. Mon mari et mon fils sont perdus. Et je suis venue informer à mes beaux-parents que leur fils et leurs petits-fils sont perdus. S'il te plaît. S'il te plaît. Madame, je suis désolée pour votre mari et votre fille qui sont portés disparus. C'est triste, mais l'histoire ne changera pas. Personne n'a jamais été dans cette maison. Ça fait vraiment très longtemps maintenant. S'il vous plaît, madame, partez. Partez, s'il vous plaît. Madame, partez. Tu es où comme ça? Écoute-moi, il faut que je te voie. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Très bien, J'ai appelé ton téléphone plusieurs fois, ça a sonné. Et puis, c'était éteint. J'ai appelé ton amie Annie. Elle a dit que tu n'avais pas dormi à la maison hier nuit. Alors, où est-ce que tu étais? Tu aurais dû m'appeler, mais tu ne l'as pas fait et ça m'a rendu inquiet. J'étais dans une cellule. Cellule? Oui. Ah, la voilà. Ma chérie, je suis là. Ça se passe comment? Je viens de chez les parents de Judy et il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas, ils sont tous partis. Et le garde m'a dit qu'il y a de cela 1 année que personne ne vit dans cette maison. Es-tu sûre? Oui, je viens de là. Arit, est-ce que tu m'entends? Bien sûr. Alors pourquoi est-ce que tu ne dis mot? Quoi? Je viens même de te dire que... Tu viens juste de me dire ton problème. Je dois arrêter ce que j'éprouve maintenant pour aller le chercher, malgré ce que je ressens maintenant. Qu'est-ce que tu ressens de mal, Arit? Dis-moi. À ce que je sache, ce n'est pas toi qui as perdu le mari et l'enfant. J'étais retenu à la station de police à cause d'une femme morte qu'on a retrouvée dans ton coffre. Attends un peu. Une femme morte, trouvée où? Qu'est-ce qui se passe ici? Et tu n'as pas de phobie pour cet endroit. C'était horrible. C'était horrible pour moi aussi, ne le penses-tu pas? Non, je ne pense pas. Puisque tu voulais que tes parents nous laissent encore là. Oh, arrête, Arit. Sais-tu ce que je les avais dit? Écoute, Rita, je sais que tu passes par beaucoup de problèmes pour l'instant. Je ne me sens pas du tout en forme. Alors laisse reposer ma tête. C'est moi qui me sens mal, Arit. S'il te plaît. Rita, désolé, je ne savais pas que tu traversais tout ceci. Mais tu aurais dû m'appeler, du moins. Nous étions tellement humiliés. On a perdu notre dignité. Quand cette femme était trouvée dans ton coffre. Personnellement, je ne pense pas qu'aucun de ces cas soit à l'abri des enquêtes policières. Je sais. Ok? Mais ce n'est pas en ces moments que nous devons y penser. Désolée de t'avoir mêlée dans cette situation. Mais s'il te plaît, peux-tu arrêter de t'inquiéter et m'aider à retrouver Judy ainsi que mon fils? Je crois que cette femme qu'on a retrouvée a un lien avec eux. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Parce que je l'ai vue dans mes photos de mariage. Regarde, elle est là. Celle-ci? Oui. Elle était invitée par qui? Je n'ai aucune idée. Honnêtement, je suis confus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est exactement le problème? Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire depuis tout ce temps? Vous ne faites que vous parler à vous-même et moi je ne comble que les lacunes. C'est ce qui se passe. Je suis confus. Ok, c'est bon. Tiens, laisse-moi aller m'échanger. On verra ensemble dans quelle mesure t'apporter de l'aide. C'est ici? Ok, bien. C'est ici, la maison. Ok. C'est son mari. Je vois qu'il est en train de sortir. Qui est-elle? On va trouver sa petite sœur. Ok. Allons d'abord parler avec elle et nous saurons quoi faire par la suite. Ok. Encore toi? Salut. Mon frère n'est pas là. Nous ne sommes pas là pour voir ton frère. Partez, s'il vous plaît. Elle a perdu son bébé il y a de cela un mois. Et mon amie est sur le point d'aller en prison pour le meurtre qu'elle n'a pas commis. Essaie de te surpasser pour nous aider. S'il te plaît. Je sais d'où il en est maintenant. Maureen, si je veux dire. Pourquoi? Il n'a rien dit. Mais... Mais quoi? Ce qu'elle a fait a déplu à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le trompait. C'est pourquoi il l'a tué. Je veux dire ton frère. Oh non! Il ne saura faire ça. Il aime beaucoup sa femme. Alors qu'il avait fait? Qu'il avait tué et mis son corps dans mon coffre? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu sais? Rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Regarde cette photo. À côté de ta belle-sœur. Qui d'autre tu reconnais sur cette photo? Lorsque ton frère avait vu cette photo, il était vraiment énervé. Qu'il est temps pour vous de partir. S'il vous plaît. Pourquoi? J'en ai assez parlé. Apparemment, tu gardes beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Partez, s'il vous plaît. Mon frère peut revenir d'un moment à l'autre. Non, jusqu'à ce que tu me dises qui d'autre tu reconnais sur cette photo. Ton mari. Judy? Je ne connais pas son nom. C'est avec lui que ma belle-sœur trompait son mari. Partez maintenant. Non, non. Dis-le encore. Écoutez, vous m'avez demandé des lettres. Je le fais. Alors ne me mettez pas dans un pétrin. Partez, s'il vous plaît. Elle a menti. Judy ne m'a jamais trompée. C'est faux. Rita, essaie de te calmer, ok? Elle a menti. Ton téléphone sonne. Allô, maman. Y a-t-il un problème? Ok. D'accord. Nous devons aller chez ma mère maintenant. Ok. On y va ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Assois-toi. Bonsoir maman, bonsoir monsieur. Le mois dernier. Et ça fait presque une année déjà. J'avais personnellement convaincu ton mari de vraiment bien veiller à tout le versement et le retrait de tous mes comptes. Mais quelques heures plus tôt, j'ai reçu l'appel du gestionnaire de la banque que mon compte a été vidé. Vidé avec 50 000 naira qui ont disparu. Quoi? Et ce qui est étrange est que personne n'est capable de m'expliquer tout ça. Penses-tu que c'est Judy qui l'a fait? Bien sûr que oui, c'est lui d'ailleurs qui gérait tous mes comptes. Mais ce qui me paraît très étrange... Et que comment est-ce qu'ils ont fait pour faire disparaître mon argent avec l'appui de la signature du gestionnaire de la banque? C'est vraiment ce que je veux savoir. Rita, as-tu une idée de qui peut prendre l'argent de l'entreprise de ton père? Henriette. Maman. Rassure-toi qu'elle aille bien. D'accord. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée de lui dire. Rita! 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 Rita, ouvre la porte! Rita! Rita, s'il te plaît, ouvre cette porte! Rita! Rita, peux-tu ouvrir cette porte? Rita! Rita, ouvre la porte! Rita! Mon Dieu! Mon Dieu! Rita! Ah! Non! 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 Qu'est-ce que tu fais? Te regarder dormir. Tu es si belle. Tu peux faire plus que ça, non? Rappelle-moi après alors que je brosse d'abord. Ok. Rita, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as effrayée. Il m'avait promis pour toujours. Je l'aimais. Je l'aimais énormément. Maintenant, il est parti. Oh non, 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 non. Arrête de dire ça. Nous n'en savons rien du tout. Regarde. Mon Dieu. Tout ce qui est arrivé était prémédité. C'était bien planifié. C'était planifié qu'il me quitte un jour. Et il est parti avec mon bébé. Il est parti avec mon bébé. C'est bon, calme-toi. Il est parti avec mon bébé. Arrête. Mon cher, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait venir rapidement. Non, arrête ça. Écoute. Moi, je ne suis pas un petit garçon pour que tu joues avec moi comme ça. De quoi tu parles? C'est quoi le problème? Mec. Mais pourquoi il faut genre, c'est comme si ils ne me connaissent pas. Arrête mon cher, c'est les affaires qu'on fait, n'est-ce pas? Tu as veillé de l'argent. Oui, ça je sais. C'est le pote qui m'a dit que le bébé n'était pas perdu, hein? Pourtant il a disparu. Un bébé? Mais oui. Tu te rappelles de la femme dont je t'ai parlé la dernière fois là? Elle m'a dit que le bébé, son père était porté disparu. Mon cher, mais continue juste à le gérer de ta manière, non? Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette affaire, hein? C'est vrai ça? Oui, non? Cela n'était pas censé être notre deal? Mon cher. Tu t'en vas? T'es vraiment fou, toi! Je parle et tu t'en vas comme ça? Chérie, tu es revenue? Elle ne décroche toujours pas? Non. Pareil que moi, elle ne me décroche pas non plus. Je te l'avais dit. Tu aurais dû laisser. C'est bon, d'accord. Laissons-lui encore un peu de temps pour digérer tous ces problèmes qui se passent. Hein? As-tu découvert quelque chose? Non. Chérie, elle a vraiment reçu un coup dur de la part de ce garçon. Nous lui avons fait confiance parce qu'on savait qu'il l'aimait. Oui. Et cet homme n'était rien d'autre qu'un voleur et un kidnappeur. Et maintenant, ma fille a un cœur brisé. Winston, crois-tu qu'elle ira bien? Non, je doute. Elle ne sera plus jamais la même. C'est bon, ok, ça va aller. Ta mère ne cesse de t'appeler. Tu dois parler avec elle. Je ne veux pas me donner la mort. Je ne peux pas. J'ai un bébé de 2 mois à l'extérieur, entre les mains des étrangers. Alors je ne vais pas me tuer. Je ne vais pas mourir maintenant. Mais il n'y avait aucun signe. Oui, il n'y avait aucune trace. Parce que tu étais amoureuse. Lui de même faisait semblant d'être amoureux. Alors arrête de t'emmerder. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par où allons-nous commencer? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Et je serai très bien. Je vais vivre. Ok. Pour mon bébé, je vais vivre. Ça ira. Allez, bébé, qu'est-ce que tu me dis? Maintenant, que dois-je t'apporter demain? J'aurais juste besoin de changer mes habits. Ça va aller. T'es sûre, c'est tout? Ouais, c'est tout. Prends soin de toi. Merci. Prends soin de toi. Chérie. Oui. Je veux être ici pour t'accueillir chaque jour dans la famille que nous allons ensemble construire. Ok. Tu vois, je t'aime tellement que je dois faire ceci. Faire quoi? Vas-tu m'épouser? Quoi? Tu dis, on se connaît à peine 3 mois. Est-ce que ça compte? Mais... Écoute-moi. Le premier jour que j'ai fixé mes yeux sur toi, je savais que c'était toi. D'ailleurs, nous avons tout le temps pour nous connaître l'un l'autre. Alors, qu'est-ce que tu dis? Bien. Il n'y a pas de problème. Je vais t'épouser, c'est bon. Oh, merci beaucoup. Waouh. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Je t'ai apporté quelques habits. Oh, merci. Merit m'a proposé de mettre autre chose. C'est bien sur toi. Merci. Allons-y. Salut Larry. Salut, comment tu vas? Ok. Où est-ce que vous allez? Nous continuons d'enquêter. Arit, qu'est-ce que tu es en train de faire? N'est-ce pas à toi que je parle? Oh, tu sais exactement ce que je dis. Tu ne peux pas continuer à l'encourager à devenir Bruce Lee et Jet Li. Elle doit reconnaître les autorités. Veux-tu m'épouser? Que veut dire cette question? Réponds à ma question. Veux-tu m'épouser? Que concerne ça dans cette affaire? Ça fait tout dire. Ça, c'est Arit, la femme que tu veux épouser. Alors, si quelque chose t'arrivait à toi ou à notre bébé, oui, je jouerai en Jet Li et Bruce Lee, y compris les commandos. Et je suis très sûr que tu sais que cet homme l'a joué tout ce temps. Ce qui veut dire que maintenant, il est en train d'avancer dans ses plans. Oui, je sais. Mais ne sais pas que nous le savons. C'est ce qui fait de nous égal. Madame, Bonjour, inspectrice. Officier, enfermez-la. Hein? Quoi? Non! Officier, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, officier, s'il vous plaît. Non. Okay. Non! Jeune homme, écarte-toi de là. Elle n'a rien fait. Madame, officier, vous ne pouvez pas m'arrêter, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas le faire. Je dois retrouver mon bébé. S'il vous plaît. Officier, non. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas. Laissez-moi travailler. Ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Je ne l'avais pas fait. Avance. Je dois retrouver mon bébé, s'il vous plaît. Arit, s'il te plaît. Aide-moi à retrouver mon bébé, s'il te plaît, je t'en prie. Retrouve-le. Je ne la connais pas. Pas du tout. Tu ne la connais toujours pas? Tu avais laissé cette photo quand tu étais allé à la maison de la victime pour faire je ne sais quoi. Je sais bien ce que vous dites, mais je ne la connais pas, croyez-moi. Je ne le connais pas. Essaye encore. Je viens de dire, essaye encore. Je ne la connais pas. Je viens d'apprendre que mon mari avait une affaire avec elle. Je ne la connais pas. Maintenant que tu as mis ça sur les tapis, parlons-en. Tu étais allée à la maison de la victime. Encore mieux, tu l'avais trouvée avec ton mari sur les lits et tu l'as tuée. Non. Tu t'es fait arrêter quand tu essayais de te débarrasser de son corps. Non, non. Ton mari avait vu ce que tu avais fait. C'est pour ça qu'il s'est enfui avec l'enfant. Non. Parce qu'il n'avait pas voulu que ton enfant sache ce que sa mère avait fait. Non, ça n'est jamais arrivé. Vous devez me croire. Je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas qui elle est. S'il vous plaît. Tu ne sortiras pas de ces lieux avant que tu nous ne dises ce que tu avais fait à cette femme. Je ne la connais pas. Je reviendrai. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais rien. Croyez-moi. Vous devez me croire, s'il vous plaît. Vous devez avoir confiance en moi. S'il vous plaît. Vincent, je devrais venir pour t'écouter dire que il n'y a donc rien que tu fasses pour faire sortir ma fille de cette place. Vous savez que si je le pouvais, je le ferais. Mais ceci va absolument au-delà de mes forces. Oh, arrête ça, Vincent. Tu es le commissaire de la police. Mais je ne peux pas mentir à tout le peuple. Je ne peux tout faire comme bon me chante. Oh, vraiment? Il me paraît que tu as totalement oublié que c'est moi qui ai tout fait pour que tu sois dans cette place. Tu n'as pas du tout besoin d'aller jusque-là, mon ami. Ta fille a un motif. Motif? Exact. Motif? Mais quel motif? Son mari l'a trompée avec la pauvre femme. Oh, donc tout le monde a conclu qu'elle a joué le rôle de la femme la plus jalouse du monde pour tuer l'autre femme, n'est-ce pas? Alors, ils ont tous tort. C'est ce soi-disant homme qui est en train de tromper ma fille. Et au moment où je te parle, il a disparu avec son bébé. Mais personne ne veut m'écouter. Oblige-les à t'écouter. Laisse-les te croire, Vincent. Elle est aussi la victime dans toute cette histoire. Tu as connu Rita depuis qu'elle était enfant. Tu sais qu'elle ne l'a jamais fait. Je ne suis pas la loi. Si vraiment elle est innocente, alors laissons la loi le prouver. La loi qui m'a empêché de voir ma propre fille. Je suis désolé. Si quelque chose arrive à ma fille, si seulement tes agents posent leurs mains sur ma fille, tu auras affaire à moi. Et je vais faire écrouler tout ton appartement. Qui est là? Arit. Chut. On ne peut pas la laisser seule. Zut. Cet endroit est horrible. Je ne le souhaiterais même pas pour mes ennemis. Écoute, Arit. Personne ne veut entendre sa version de l'histoire. Alors? Elle a besoin de notre aide. Tu me l'avais dit avant? Mais comment? Tony, viens s'il te plaît. Ici. Oui, madame. Comment tu vas? J'ai bien, madame. Approche. Je vais te poser cette question une seule fois. As-tu vu Judas quitter cette maison le jour où se sont portés disparus? L'as-tu vu? Mais je l'avais déjà dit à madame l'autre fois. Je n'avais vu personne sortir. Mais tu avoues que tu étais à la maison le jour-là. Tu avoues que tu étais à la maison le jour-là. Mais comment est-ce que tu ne les as pas vus? Comment? Hein? Ok. Puisque tu ne veux pas parler, quand j'aurai appelé mes éléments pour toi, et tu te verras en cours de route pour la prison à vie, tu parleras. Salut. Salut. Désolée, je cherche l'avenue Adoumou. Adoumou? Oui. Désolée, monsieur, c'est juste que je ne connais pas le quartier. C'est bon, c'est pas grave, ce n'est rien du tout. Adoumou, c'est juste 2 avenues derrière. Peux-tu m'y amener? Vous y emmener? Oui. T'inquiète, je vais te payer. Vous n'avez pas à faire ça. S'il te plaît, je te payerai bien, tu n'as pas de... Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Accompagne-moi seulement, allez. Ok, je vais alors... je vais vous accompagner. Sûr? Oui, sûr. Tu en es vraiment sûr? On dit les dames d'abord. Oh. Merci beaucoup. Wow. Ok. Wow. Alors vous avez dit que vous êtes nouvelle ici? Voilà, je l'avais juste accompagné là-bas et je suis revenu ici immédiatement. Je n'avais rien fait d'autre. Voilà la vérité. J'étais pas censé quitter mon poste. Je vous en prie, pardon. Je suis vraiment désolé, madame. Monsieur, je suis vraiment désolé. Enfin, va-t'en. Inintelligent. Quand est-ce que cela a été arrivé? Je crois vers 19 h. Tu es inintelligent. Je suis vraiment... Disparais d'ici. Rita m'a dit qu'elle était venue presque dans ces mêmes heures. C'était donc 10 minutes avant notre arrivée. On verra bien. Ouais, salut, comment vous allez? Oui, je veux bien. Êtes-vous monsieur Obinant, le concierge de cette maison? Oui, c'est bien moi. Je suis détective John et celle-ci m'appartient. Vous nous entrez? Oh, ouais. Monsieur, monsieur, c'est quel problème, oh? Oh non, aucun problème. Nous cherchons les occupants, c'est-à-dire ceux qui vivent dans cette maison. Monsieur, personne ne reste dans cette maison, ça fait déjà longtemps maintenant. Je vous dis. Oui. Êtes-vous sûr? Oui, c'est moi qui prends soin de cette maison. Écoute, messieurs, nous ne sommes pas des enfants. Nous avons différentes informations de différentes sources. Des gens ont habité cette maison il y a quelques jours passés. Si tu ne veux pas aller en prison pour une cause de meurtre, tu ferais mieux de parler. Mais pourquoi vous ne voulez pas me croire, non? Kidnapping et meurtre. Ceux qui vivaient ici seront tenus coupables de kidnapping et meurtre. Si vous ne voulez pas les remplacer, alors commencez à parler. Madame, je vous dis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je vous jure. Je vous jure devant Dieu, ce sont mes amis qui font ces choses. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas parler. Appelle l'escadron. Mais vous l'appelez qui, monsieur? Lorsqu'ils arrivent, tu le sauras. Je pense que c'est 3 ans d'emprisonnement. 10 ans. Oh, c'est 10 ans maintenant. Monsieur, écoutez s'il vous plaît. Je ne vous ai pas menti, je vous dis la vérité. C'est la vérité que je vous ai dit. Ses identités et son adresse. Écoutez, il y a mon gars qui est vers... Il va ôter cette arme de ta bouche. Et si tu cries, je suis sûr que tu sais ce qui va t'arriver quand j'appuie sur la gâchette dans ta bouche. Compris? Ok. Je vais te poser une question. Tout ce dont j'ai besoin de savoir, c'est une adresse. Ok? Quelle est l'adresse de Chikozuri? Non, je ne connais pas. Mais vous êtes qui, vous? Quoi? Je vous dirai. Je sais où il habite. L'adresse. Il habite près de... Tu as fait du bon boulot. C'était une idée géniale. Bien. Allez, je ne m'attendais pas à ce que tu l'utilises pour de vrai. Regarde. Quand les gens le voient sur moi, ça les fait vraiment, vraiment trembler. Ok, allez, viens, mais c'est bizarre que les gens ne reconnaissent pas que c'est un jouet. Mais ça ressemble vraiment à un jouet. Tu as vu comment il tremblait? On dirait que c'était une vraie arme. Maintenant, là aussi, on a beaucoup de choses à faire. Yeah. Prête? Okay. Bonjour, madame l'officier. Qu'est-ce que tu fais ici? Disons que je fais tout le travail que vous étiez censé faire, vous et votre équipe, à la place d'arrêter une femme innocente. Premièrement, elle n'est pas arrêtée, elle est juste en détention. Deuxièmement, dégage de mon bureau avant que je te fasse arrêter. Ah, me faire arrêter, c'est ça la bonne chose pour toi à faire? Je fais ce qu'il fallait, en mettant cette meurtrière hors d'état de nuire. Quelles sont les preuves que vous avez? Vous n'en avez aucune. Vous pensez que c'est de la plaisanterie? Comment une femme peut plaisanter prétendant que son mari et son bébé sont disparus? Je crois que vous avez des enfants. N'est-ce pas? Et s'ils disparaissaient un jour? C'est ça. Ça, c'est exactement ce que mon ami essaye de faire. Trouver son bébé. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Vous avez quelque chose à faire, inspectrice. Trouver ses maris. C'est lui le vrai criminel. Garder sa femme en détention lui fera sortir de sa cachette. Il ne se présentera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là qu'il voulait qu'elle soit. Demandez à l'officier qui avait insisté de voir ce qu'il y avait dans son coffre. Posez-lui la question de savoir où est-ce qu'il avait cette information, qui l'a poussé à insister, même quand son collègue nous avait dit de partir. Essaies-tu d'insinuer par hasard que la police est derrière cette affaire? Je sais de dire qu'il utilise la police pour sortir indemne dans cette affaire. Je sais là où il est. Il s'est camouflé surtout dans la cachette. Je dois parler à mon supérieur. Non, non, il n'y a pas assez de temps. Si nous traînons le pas, nous allons le perdre. Je ne peux pas juste partir. Ne travaillez-vous pas pour la justice? La justice pour la femme qui a été tuée? La justice pour des gens qui sont sous un mandat d'arrêt pour des choses qu'ils ignorent? Je veux sa justice. Elle doit retrouver son bébé. Alors, revêtez-vous d'un peu de courage et faites votre travail. Désolée, je voulais juste m'échanger avec vous. Brandy. Tiens ça pour papa, ok? Tiens ça, papa arrive. Toi aussi, vas-y, vas-y, vas-y. Oh! J'aime ça. Ça te plaît? Oui. Ça te plaît? Ok. Je sais ce que tu veux, bébé. Ok, j'arrive, bébé. Ouais, encore une gorgée. Allez, fille. Je suis fatiguée. Tu veux de moi? Non, je veux de l'eau. L'eau en moi? Non, de l'eau là-bas. Ok. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Je vais t'apporter de l'eau. Oui. Et je te baisse correctement. Ouais. Hey. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-le ce que tu nous as dit. Boss, je ne veux pas te mentir. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont sérieusement mis une corde au cou. Je ne sais même pas ce qu'ils veulent de toi. Je leur ai donné ton adresse. Franchement, je vais en finir avec ce gars. Franchement, pourquoi est-ce que tu as fait? Quoi? Boss, ce gars m'a vraiment torturé. Il a même mis son arme dans ma bouche comme ça. Boss, je vais te dire toute la vérité. Ah! Ils ont rapidement compris que j'étais ton agent le plus proche. Ils m'ont obligé à leur dire la vérité et ils m'ont dit aussi que tu devrais être localisé, boss. Attends. Moi, déménager? Moi? Hé. Vous attendez quelqu'un? Non. Ce genre d'homme qui va incriminer sa femme pour un meurtre qu'il a commis. Meurtre? S'il vous plaît, qui a tué qui? Ce n'est pas un jeu. Il est ici pour obtenir toutes les informations dont nous avons besoin. Est-ce que tu comprends? J'ai compris, mais s'il vous plaît, qui est mort? Vraiment? Faisons comme si tu ne sais pas de quoi nous parlons. Oui, faisons semblant. Tu as kidnappé ton enfant le même jour que tu avais tué ton amoureuse et tu as mis son cadavre dans la voiture de ta femme pour l'incriminer. Et cela après avoir trompé Rita en l'épousant juste dans le but de voler l'argent de son père. C'est pas moi, non. Et bien sûr, tu as volé l'argent de son père. Non, s'il vous plaît. Il y a a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas dans cette histoire? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Ça m'est étrange, c'est étrange. Et ces faux parents t'es caché pour qu'enfin tu deviennes leur vrai fils? Nous avons tout notre temps, détends-toi. Écoutez, la seule vérité dans ce que vous êtes en train de dire est que Emeka et Abigail ne sont pas mes vrais parents. Ouais, mais qu'aurais-je fait? Pourquoi Rita ne me laisserait pas tranquille? Elle ne me laisserait pas tranquille. Elle continue à me monter la pression pour le mariage. Et ainsi vous avez tué cette femme et avez kidnappé votre propre fils juste pour faire croire ça à tout le monde? N'en déplaise à Dieu, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. C'est pas moi. Je vais parler. Parfait. Ok. Je vais dire la vérité. Je suis devenu fatigué du mariage et je voulais juste m'en débarrasser. Comment vivrez-vous dans un mariage où le père de la fille a le pouvoir de finir ta vie et finir tout ce qui te concerne? Comment? Écoutez, je sais que je ne suis pas un gars parfait, mais j'ai pas tué Maureen, Maureen était la seule personne avec qui j'ai trouvé le bonheur. Je l'ai pas tué. Alors, qui l'a tué? Avez-vous demandé au Othien? Othien était là la nuit là. Othien ne vous l'a pas dit? Maureen n'était pas là. C'était lui seul. Alors, ça ne vous dit pas quelque chose? Donc tu essaies de dire que tu ne l'avais pas vue avant de partir? Je n'ai pas vu Maureen. Et si je n'avais pas vu Maureen, comment l'aurais-je tuée? Comment? Écoutez-moi, je sais que je ne suis pas un gars parfait, mais je n'ai rien fait de mauvais. Rien! Alors pourquoi t'es-tu enfuie quand tu m'avais vu? Je ne vous avais pas vu. C'était Arit que j'avais vu. La première idée que j'avais en la voyant était de fuir parce que je savais qu'Arita serait avec elle. Écoutez, je ne veux pas retourner à Rita. D'ailleurs, je ne vous connais pas, je ne vous avais jamais vu. Alors, qui a volé ton beau-père? C'est pas moi. Pour la cause de Dieu, 50 millions de Naira est une grande somme. Où pourrais-je cacher ce montant d'argent? Où? Écoutez, je pense, je crois que quelqu'un, je veux dire, quand la nouvelle a circulé que j'avais disparu, quelqu'un a profité de la situation pour avoir assez. Seulement Dieu, chercher mon bonheur. J'ai pris mon enfant parce que je savais que si jamais je quittais sans mon enfant, je ne la verrais plus jamais. C'est pourquoi. Alors, où se trouve l'enfant? Tuez-moi si vous voulez. Je vous le dirai jamais. Moi, ce que je vois, Rita. As-tu pensé à ma proposition? Je tiens toujours à ma réponse. Lequel? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu iras en prison. Je sais que ça t'est égal. Pas du tout. Je me rends juste compte combien tu es stupide pour suivre le mari d'une autre femme en prison. Est-ce que je dis quelque chose de drôle? Les charges qui sont contre toi est réelle, sérieuse. Je n'ai absolument rien fait. Aider un homme à kidnapper un enfant, c'est très mauvais et ça fait de toi une complice. Eh ben, c'est le kidnapping si l'enfant en question n'est pas le tien. Alors pourquoi nous t'avons trouvé en possession des armes et des narcotiques? Juste laisse tomber. Témoigne contre lui et tu seras libéré. Arrête de te répéter. Inspecteur, s'il faut que je parte en prison pour des histoires que tu viens de dire, alors qu'il soit ainsi. Quel genre de femme serais-je si je témoigne contre mon mari? Excuse-moi, tu m'as très bien entendu. Judy était et il reste toujours mon mari. Je ne vais pas vous aider sur ces coups-là. Ah, Rita, comment tu vas? Je ne sais pas. Ça va aller. As-tu retrouvé mon fils? Non. Oh, madame, je suis vraiment désolée. Je tenais à m'excuser pour ce qui s'est passé. Pardonnez, ça sera impossible parce que je veux mon fils. Chukwudi ne nous aide pas. Il ne nous donne pas des informations concernant l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il est innocent. Alors, ça veut dire que je l'avais fait? Non. Il a dit que M. Uche était là cette nuit. Quoi? Et tous les deux disent qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, à propos de mon fils? Il refuse de parler de l'enfant parce qu'il sait que si tu l'as, il ne pourra plus jamais. C'est un bâtard. Je suis désolée. Mais nous faisons tout ce qui est à notre possible pour t'aider à retrouver ton enfant. Et comment? Il veut te voir. Je ne vais pas le voir. Il a dit qu'il indiquera le lieu où se trouve l'enfant si seulement tu pars le rencontrer. J'ai pas fait toutes ces choses qu'ils ont dit que j'ai faites. C'est des mensonges. Bébé, tu dois me croire. Je sais que je t'ai blessé. Je suis désolé. Je suis désolé. Où est mon enfant? Je suis ici juste à cause de mon enfant. Tu avais demandé de me voir pour nous dire là où se trouve mon enfant. Rita, tu ne m'écoutes pas. Je dis je suis désolée. Y a-t-il un problème pour ça? Non, tu n'as rien fait. Mais tout ce que tu venais de faire a joué avec ma santé. Et si je ne retrouve pas mon enfant, la seule chose qui faisait à ce que je garde encore l'espoir de vivre, c'est mon enfant. Alors dis-moi où se trouve mon enfant, s'il te plaît. Elle a aussi mon enfant? Non. Tu as perdu ses privilèges quand tu avais trompé sa mère. Je pensais que c'était fini. J'ai pensé qu'on était heureux. Nous l'étions. Alors pourquoi est-ce que tu m'avais quitté? S'il te plaît, hein? Écoute. Dis-moi un peu. Je sais que je m'avais quitté à cause d'autres filles que tu avais à l'extérieur. Elle n'est pas importante pour moi. Elle n'est pas importante pour moi. Celle qui m'a mené à te quitter, tu vois. Elle menaçait de nous ennuyer. Chérie, tu me connais très bien, tu sais que je t'aime. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Tu fais ma priorité, bébé. Écoute, chérie, fais-moi une faveur. Aide-moi à sortir d'ici. Et je te prouverai que je t'aime tellement. Je te prouverai que je suis désolée. Ton père peut le faire. Juste aide-moi à sortir d'ici. C'est dégoûtant. Quoi? Regarde-toi. Tu supplies comme un vrai menteur que tu es. Rita, moi? N'ose pas appeler mon nom. Tu pensais que, parce que tu m'as appelé pour qu'on parle ici, je ferais à ce que tu sortes d'ici? Ah. Mais je veux te décevoir, chère Marie. Tu ne sortiras pas de cette piège. Oui, Tu ne pourras pas m'avoir parce que ce qui est fait est déjà fait. Écoute-moi chérie, je dis la vérité, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait tout ça. Arrête de mentir. Je n'ai pas fait. Oh. Tu l'avais fait et tu le sais. Pourquoi ne pas être un homme pour une fois et accepter tes actions? Ou tu me prends pour une folle? Pour que je vive avec un meurtrier? Quoi? Un voleur? Une personne inconsciente? Assez! Ferme ta bouche, Rita. Tais-toi. Ouais. Tu mérites tout ce qui t'est arrivé. Tu le mérites. Oh! Enfant gâté. Héritière d'un empire d'1 milliard de naira sans aucune idée. Laisse-moi te dire, tu t'es supposé descendre à la place de Maureen. Je ne sais pas pourquoi cette prostituée n'a pas pu réussir le plan, la façon dont je l'ai voulu. Donc tu l'avais fait? Tu avais tué une personne? Une sœur ou une femme de quelqu'un? Juste pour m'avoir? La mère de ton enfant? Ça c'était une erreur. Une erreur grave. Une erreur monumentale. Ayant un enfant avec toi. Attends fille. Tu penses que tu es si importante que personne ne peut juger? Non! Tu es un ticket pour une vie meilleure. Ok? Écoute, comment pourrais-je te duper si ce n'est pas pour jouer le bon mari? Oh! Et tu l'aimais, bébé? Comment? Réveille-toi et sors le café. Écoute-moi. Eno est ma femme. J'ai volé les 50 millions de naira de ton père. 50 millions. J'ai fait tout ce qu'ils ont dit que j'ai fait. Et puis quoi? Puis quoi? Tu es vraiment le diable en personne et tu vas finir en enfer. Pas de problème, mais tu ne mettras jamais tes yeux sur ton enfant. Mon enfant, jamais. À moins que tu me fasses sortir de cet endroit. Et tu n'iras nulle part. Félicitations, Dieu merci. Ah. Tu as tout confessé. Tu as dit tout ce que nous voulions savoir. Mais figure-toi que quand tu jouais à l'innocent, je savais que tu étais coupable. Je le savais parce que mon instinct ne me ment jamais. C'est tout ce que vous pouvez dire. Rien. Rien que tu ça, oui, j'ai tout fait. En prison. Oh, tu... Viens bébé. Où est-ce que tu vas? Nulle part. Rester ici ne va pas me ramener mon fils. J'ai envie de sortir un peu. Ok. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Ressaisis-toi. Je ne sais quoi faire. Oh mon Dieu! Mon bébé! Oh mon Dieu, je suis contente. Mon fils, tu m'as beaucoup manqué, chérie, je t'aime. Elle est très en forme, elle est bien. Oh mon fils. Ma fille, c'est la sœur de Judy. Tu dois écouter ce qu'elle a à te dire. Elle a ramené le bébé. Je suis désolée pour tout ce que mon frère t'a fait. Il m'avait amené Ikem et m'a dit que sa mère ne voulait pas de lui. C'est un mensonge. C'est juste maintenant que je le sais. Quand j'ai appris ce qu'il t'avait fait ainsi que cette pauvre femme, j'avais vraiment le cœur brisé. Et je suis que j'avais perdu mon frère parce qu'il n'est plus l'homme que je connus. Rien n'est plus horrible qu'une mère puisse perdre son enfant. C'est pour ça que j'ai jugé bon de te ramener ton bébé. Merci. Merci énormément. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse énormément. Oh, merci énormément.